Bonjour et bienvenue dans l'interview perché. Alors aujourd'hui nous sommes avec Babouille Bonbon. Bonjour. Pourquoi Babouille Bonbon? Alors pourquoi Babouille Bonbon? C'est parce qu'en fait avec Karine qui se situe juste là, on se disait depuis des années ciao Babouille, c'est-à-dire ciao bisous, au revoir bisous. D'accord. Et après on s'est tourné vers notre enfant qu'on a en commun et on lui a dit Babouille, on aimerait mettre quelque chose, et puis tout de suite elle a dit bah c'est bonbon. Ah ouais. Babouille Bonbon, voilà, simple. C'est simple que ça. Ok, ça me va. Pouvez-vous vous présenter? Ah mais absolument. Ah ben moi je m'appelle Jules, mais dans le spectacle je m'appelle Jojo le rocker. D'accord. Et je joue principalement de la guitare. Ok. Voilà, moi je m'appelle Hervé, dans le spectacle je m'appelle Monsieur VV. Et je chante, je joue de la batterie, j'écris les textes, etc. Moi je m'appelle Fille. Alors, moi je m'appelle Karine, dans le spectacle c'est Mademoiselle Coco et principalement je joue de la basse. Rennes ou Alençon? Rennes. D'accord. Quelles sont vos inspirations pour vos spectacles? Ah, les inspirations pour les spectacles, ouais, je crois que c'est assez nombreuses. Oh oui, c'est tout le burlesque déjà, c'est tout ce qui est Buster Keaton, c'est bien. C'est ça, oui. Cirque ou zoo? Oh, cirque. Mais cirque sans les animaux, le nouveau cirque, cirque plume, cirque, voilà. Cirque plume. Comment votre groupe s'est-il créé? Il a fallu que je rencontre Karine il y a 27 ans. Attends, avant il y avait le Big Bang, c'était l'univers qui était dans un tout petit espace et qui a explosé d'un coup. Et là, comment ça? Juste après ça, on prend à droite au niveau de la planète là-bas, et il y a notre rencontre. Pâte ou pizza? Oh là là, les deux. La pizza aux pâtes. Pizza pâte. Magnifique. Tu fais une pizza aux pâtes avec une portion de frites à côté. Prendre la pâte à pizza. Y a-t-il une morale derrière vos concerts ou est-ce juste du divertissement? Oh là là, entertainment. Alors, je pense pas qu'il y ait une morale en fait, mais il y a toujours une morale dans tout ce qu'on fait. Il y a un message. Il y a un message quoi qu'il arrive. Il y a des messages. Il y a plusieurs messages. Chacun peut trouver la morale qu'il a envie de trouver. C'est ça. Studio ou concert? Les deux. Les deux. Les concerts. Concerts, c'est vraiment bien. On fait un pierre feuille ciseaux. 1, 2, 3. Ah! Métro ou boulot? Alors nous, on est dans une campagne où il n'y a personne. Pas de métro. Donc le métro, si tu veux, on ne sait même pas ce que c'est. Voilà. Votre péché mignon? Moi, mon péché mignon, c'est jouer de la batterie en mangeant du chocolat. Popcorn ou sucette? Ni l'un ni l'autre, moi. Ni l'un ni l'autre, j'ai plus de dents, j'ai 48 ans, j'ai pas de dents. Donc, chocolat noir. Moi, pareil, je vais dire un petit carré de chocolat noir, je suis pas de dents. Avez-vous une tranche d'âge particulière à cibler? Avec Babouille Bonbon, on dit, même aux adultes qui disent non, mais c'est un spectacle pour enfants, etc. On essaye de s'adresser à vraiment tout le monde. Donc, on essaye que les parents s'embêtent pas au spectacle pour enfants, ils font gna 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 gna. Non, non, on essaye que ça soit très, très, très ouvert. Mais la tranche d'âge qu'on a, on a joué ce matin à un concert où il y avait des petites sections, c'est-à-dire 3 ans. Et il y avait les CM2, c'est-à-dire 10 ans. Vous l'avez vu comment votre passage sur France 3? C'était très bien. Oui, c'est ça. C'est un très bon souvenir, non? Ouais, ouais, carrément. Très bon souvenir. C'était assez chocotant. Clown ou mascotte? Clown. Plutôt clown. Oh, voilà. On est d'enfants! Arrête, Hervé, de faire de l'imbécile. Et maintenant, je vous laisse faire 30 secondes d'autopromo. Bon, attention. Merci. Salut. Excellent. Bravo. Merci à vous pour cette interview. Merci cas. À toi. Merci. Bon spectacle. Allez, bisous. On vous attend à 19h ce soir. Alors, Alençon, on t'aime quand même. Oh ouais. Merci, Alençon. On reviendra, Alençon. On revoit. Merci. Merci à toi.